オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語を勉強中の方やフランス語に興味があるという方に向けて、フランス語学習を楽しく効率よく続けるための秘訣などを様々な角度からお伝えする番組です。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬雄介です。第232回はヴァネッサ先生とアンサンブルのスイス人講師フレデリック先生の対談最終回となる第3回目です。今回はフレデリック先生の生まれ故郷スイスの観光スポットについてヴァネッサ先生がインタビューを行い、おすすめ観光スポットを教えていただきました。またフランス語講師として学習者にアドバイスや習得のコツをお伺いしました。ぜひメモを取りながら聞いてみてくださいね。その後は三輪先生によるワンポイントフランス語レッスン、最新アンサンブル情報へと続きます。それではヴァネッサ先生とフレデリック先生の対談最終回をお聞きください。Bonjour à tous et bienvenue sur Ensemble en français à la cafette。Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Frédéric, professeur à Ensemble en français. Bonjour Frédéric. Bonjour Vanessa, bonjour à tous, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien, je te remercie. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour avoir tes conseils, notamment au sujet du tourisme. Alors le tourisme en Suisse, quel est ton top 5 des sites touristiques à ne surtout pas rater? Voilà, alors, très très bonne question. Alors, je commence effectivement par ma région, hein, donc la région de Lavaux, qui a d'ailleurs été récemment, il y a une dizaine d'années déjà, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses vignobles en terrasse qui sont absolument magnifiques. Hein. Très bien. Donc, on a une vue également de l'autre côté du lac sur la France et on peut faire des croisières en bateau sur le lac. Donc ça, c'est vraiment magnifique, hein, surtout en été. Donc ça, ça fait définitivement partie du top 5. Hein. Ensuite de ça, je vous conseille également de ne pas rater Genève avec ses organisations internationales, son jet d'eau, sa proximité avec l'Aiguille du Midi, donc en France. Hein, donc c'est une ville qui est très, très populaire également. Je vous conseille également la ville de Berne, qui est la capitale de la Suisse, d'accord, dont le symbole est l'ours. Donc, vous pourrez admirer, en fait, l'ours de Berne. Il y a donc un parc aux ours dans cette ville. Et c'est vraiment une ville magnifique, avec une architecture à colombage, des maisons, toute une rue, avec des maisons qui datent du XVIe siècle encore. Donc, c'est vraiment, à mon avis, un passage obligé quand on se trouve en Suisse. Oui. Ce que je vous conseillerais également comme autre site, par exemple, pour avoir un aperçu de l'architecture, surtout rurale suisse, c'est le musée en plein air de l'habitat rural qui se trouve à Ballenberg. C'est vraiment en plein centre de la Suisse. Et ça vaut vraiment la peine. On a reconstruit tout un nombre d'habitations fermières rurales, hein, dans ce musée. Et on peut voir différentes activités comme la fabrication du charbon de bois et différentes préparations culinaires également. Donc, c'est vraiment très intéressant. Hein. D'accord, très bien. Ça prendra toute la journée, bien sûr. J'imagine, oui, en effet. Voilà. Alors, une dernière destination que je vous conseille pour les touristes qui apprécient les sports d'hiver, c'est vraiment la station valaisanne de Sassfay, qui interdit les voitures. C'est vraiment une petite station, donc évidemment très touristique, mais sans la circulation, ça rend la promenade après-ski beaucoup plus agréable. Et il y a vraiment beaucoup de possibilités pour le ski sur le glacier, enfin pratiquement toute l'année. D'accord, très bien. Les amoureux de montagne seront ravis d'aller en Suisse. Voilà, exactement. Hein. Donc la Suisse, c'est vraiment quelque chose pour tout un chacun et pour toutes les saisons, hein, que ce soit en été ou en hiver pour les amateurs de poudreuse. Oui, très bien. Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand la,
Neige est très fine, on Oui. dit que la neige est poudreuse. C'est ça, voilà, hein. Très La bien. neige poudreuse. Exactement. Merci beaucoup. Par rapport à tous ces sites, Oui. est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui veulent aller en Suisse, les bons plans, donc par exemple, où loger, où... Voilà, alors il ne faut pas oublier que la Suisse est quand même un pays relativement cher. Donc le coût de la vie est très élevé en Suisse. D'accord. Malgré tout, on peut s'en sortir à meilleur marché, par exemple en évitant si possible les hôtels et en réservant des chambres d'hôtes. D'accord. Voilà, comme par exemple Airbnb et autres, hein, mais il y a beaucoup d'autres possibilités. Oui. Ceci dit, au niveau des transports, ça reste effectivement un pays assez cher. Donc là, c'est une dépense qu'il est difficile d'éviter. D'accord. C'est un peu comme au Japon. Au Japon aussi, un transport. Voilà, tout à fait, hein. C'est un peu comme au Japon. Évidemment, le territoire de la Suisse étant plus limité, on voyage moins loin, mais c'est presque encore plus cher qu'au Japon, hein. C'est vrai? Oui, c'est vraiment très cher. D'accord. Bon. Et peut-être un autre conseil que je donnerais, c'est de, si possible, enfin pour les gens qui ne veulent pas trop dépenser, essayer d'acheter leur nourriture au supermarché, de préparer leur nourriture eux-mêmes, car les restaurants eux-mêmes sont très chers également. D'accord, très bien. Voilà, c'est pas comme au Japon où on peut s'en sortir à l'équivalent de 1000 yens par jour, hein, Tout à fait, enfin tout à fait. par repas. Voilà. Oui. Bon. Alors pour les personnes qui vont en Suisse, il faut prévoir un certain budget, donc notamment pour les transports, ou alors de très bonnes chaussures s'ils décident de tout faire à pied. Voilà. Alors, tout faire à pied, à mon avis, ça sera un peu difficile, hein. Mais effectivement, il est possible, si on reste dans une seule région, ou si on aime la montagne, hein, de rester à un endroit et de faire de la randonnée. Voilà, et d'éviter de trop voyager voilà, à droite, à gauche, en Suisse, hein. D'accord, très bien. Et est-ce que tu aurais des conseils à nous donner ou des recommandations par rapport aux saisons en Suisse? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est mieux de se rendre, par exemple, si c'est l'été ou l'hiver? Voilà, tout à fait. Alors, comme je l'ai dit, il y en a un peu pour tout le monde, hein. Pour les amateurs de sport d'hiver, évidemment, l'hiver est préférable, hein. Bien Donc, il y a sûr. beaucoup plus de possibilités de ski, surtout dans la région du Valais, donc qui se trouve au sud-ouest de la Suisse, ou dans les Grisons, qui se trouve carrément à l'opposé, hein, à l'est de la Suisse. Par contre, pour visiter la région du Léman, hein, du lac Léman, je conseillerais plutôt l'été. Donc l'été en Suisse n'est pas très humide, mais il fait quand même assez chaud. Donc c'est vraiment très agréable, hein, comme saison. Donc on peut aller visiter la Suisse toute l'année. Il y a des choses à faire. Voilà, toute l'année, on aura des activités à faire, que ce soit de la randonnée, que ce soit la visite. Une autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est la visite des musées, puisque Suisse regorge de musées, hein. On dit que c'est le pays aux 1000 musées. Oh, en effet, c'est intéressant. Donc il y a vraiment énormément de musées. Très bien. Alors, des musées qui présentent quel genre d'œuvres, quel genre d'art? Vous avez des musées en fait d'art contemporain, d'art moderne. Il y a aussi un nombre de musées dans les châteaux, Oh. donc qui présentent des objets historiques en fait. Donc, on avait aussi des châteaux en Suisse, Bien autrefois? sûr, bien sûr, hein. Donc on a tout un nombre de châteaux dont la plupart peuvent se visiter. Pour les amateurs, hein, de vieilles demeures, c'est vraiment très intéressant. Il y a énormément de châteaux à visiter en Suisse. Bon, très bien. Voilà, un des plus connus au bord du lac s'appelle le château de Chillon. Oh, oui, j'en ai déjà entendu parler. Voilà, hein, donc une très belle forteresse qui date déjà, sauf erreur, du 13e au 14e siècle et qui vaut vraiment la peine d'être visitée. Très bien. Voilà, la Suisse, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. C'est un pays qui peut intéresser donc tout type de personnes, notamment les Voilà. artistes, je pense. Donc, il y a beaucoup de musées. Absolument. Il y a vraiment énormément de choses à faire et je pense que chacun pourra trouver quelque chose à son goût, hein. Très bien, très très bien. Mais écoute Frédéric, je te remercie pour tous ces conseils concernant les personnes qui aimeraient partir visiter la Suisse.
Je t'en prie. Maintenant, j'aimerais te demander aussi des astuces, mais dans un tout autre domaine, sur le français, puisque n'oublions pas que tu es donc professeur de français. Bien sûr. Dans notre école. Alors, est-ce que tu aurais des astuces pour les personnes qui apprennent le français, des conseils à donner? Effectivement, ça dépend bien entendu du niveau de l'apprenant. Mais je dirais que un des aspects qui est vraiment extrêmement important lors de l'apprentissage du français, c'est de trouver peut-être un sujet qui nous intéresse particulièrement et justement d'essayer d'approfondir ce sujet en français, de parler avec le professeur de ce sujet particulier. Hein. Donc ça peut être justement la gastronomie, ça peut être les voyages, pour être sûr qu'on maintienne la motivation hein, à apprendre la langue. C'est important d'avoir un centre d'intérêt particulier. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que pour apprendre une langue, c'est toujours mieux de l'apprendre en s'amusant et c'est important d'avoir une source de motivation. Voilà, exactement, exactement. Ceci dit, il faut aussi avoir une certaine variété. Donc, parfois, suivant le niveau de l'élève, il est nécessaire d'introduire quelques exercices de grammaire pour corriger des points particuliers. Tout à fait. Mais je pense qu'il n'est pas vraiment constructif ou motivant toujours de se focaliser sur la grammaire uniquement. Hein. Donc, tout à fait. Voilà, d'avoir une variété de sujets est très important. Hein. Tout à fait. Et est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui préparent des examens? Oui, au niveau des examens, je pense qu'il est important de se préparer le plus possible à faire des exercices donc, qui ressemblent à ce que l'examen contient. Tout à fait. Donc, par exemple, à l'oral, hein, il y a souvent une présentation sur un sujet particulier. Mmh. Donc, si l'élève prépare un examen, il est tout à fait possible de préparer ça pendant la leçon au moyen de supports adéquats. Je pense que la clé de la réussite, c'est vraiment d'exercer le plus possible. Hein. Tout à fait, s'entraîner toujours, voilà. Toujours. On peut toujours trouver des examens types, etc. Des années précédentes, par exemple, pour s'entraîner. Tout à fait. Hein. Très bien, merci beaucoup. Et parfois, quand on apprend une langue, au fur et à mesure, on perd la motivation. On est un petit peu démotivé, on pense qu'on ne va pas y arriver. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces personnes-là? Alors justement, je pense que donc un des bons moyens de maintenir la motivation, d'une part, c'est de se fixer un objectif. Hein. S'inscrire à un examen est un excellent moyen de se fixer un objectif parce qu'on travaille, on étudie en vue de passer cet examen, mais non seulement ça, c'est de se fixer des étapes intermédiaires, je pense, et de faire un bilan avec le professeur également du niveau de progression qu'on achève à chaque étape, justement, intermédiaire, pour être sûr qu'on se trouve toujours sur le bon chemin, et le cas échéant, de combler quelques lacunes, que ce soit de grammaire, par exemple, de concordance des temps, etc. Mm-hmm. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Examen ou non d'ailleurs, c'est important de se fixer des petits objectifs, des étapes. Il y a une expression française que j'aime beaucoup, qui est « petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Tout à fait, c'est très adapté, je trouve, voilà. Hein, à l'apprentissage du français. Exactement, petit à petit, l'oiseau va aller chercher des petites branches, etc. et il va créer son nid. Et bien, quand on apprend une langue, c'est la même chose. Il ne faut pas se décourager, il faut prendre le temps. Et petit à petit, on s'améliore. Voilà, absolument. Hein. Donc, je pense qu'il faut se fixer des objectifs atteignables. Tout à fait. Et donc, progresser le long de ces objectifs. Exactement, exactement. Mmh. Alors, est-ce que toi aussi, tu as une phrase, une expression française que tu aimes beaucoup? Alors, je pourrais vous en proposer une d'un humoriste français qui dit qu'une fois qu'on a passé les bornes, il n'y a plus de limites. C'est vrai. C'est très, très adapté avec ce qu'on vient de dire, d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Hein. Donc voilà, une fois qu'on a passé ces inhibitions, une fois qu'on est apte à parler en français, tout à fait. Il n'y a vraiment plus de limite dans l'apprentissage du français ou d'une autre langue. Hein. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est vrai, tu as raison. C'est une très, très belle citation. Peux-tu nous donner le nom de cet humoriste? C'est d'Alphonse Allais. Alphonse Allais, voilà. Pour les personnes qui sont intéressées. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs et puis peut-être à tes élèves? Oui, bien sûr. Je vous remercie déjà de m'avoir donné l'opportunité de parler de la Suisse, de parler de l'apprentissage du français.
C'est nous qui te remercions. Je souhaite à tous mes élèves et à tous les élèves d'Ensemble en français, bien sûr, pleine réussite hein, pour leur apprentissage du français. Et je souhaite leur avoir aussi donné envie d'apprendre le français, d'approfondir leur connaissance non seulement de la langue, mais de la culture française également. Tout à fait. Voilà, et j'espère les revoir très nombreux sur Skype. Eh bien, nous aussi. Hein. Tu l'as dit, tu es une personne qui aime les échanges. Et tout donc, à fait. Tu aimes échanger avec tes élèves. Et c'est très important, en effet, de les voir réussir et de les accompagner tout au long de leur apprentissage. Absolument. Donc, la réussite, c'est notre réussite à nous, en fait. Tout à fait. Voilà. Eh bien, une fois de plus, ça a été un plaisir de t'avoir avec moi, Frédéric. Merci beaucoup. Voilà, mais moi de même, je te remercie de m'avoir invité à cet échange. Mais je t'en prie, je pense que c'est aussi au plaisir des auditeurs qui nous écoutent. Je l'espère de tout cœur. Hein. Donc, voilà. Eh bien, merci d'être aussi passionné par ce que tu fais. Et nous espérons vous retrouver nombreux dans un prochain épisode. Au revoir, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir, merci Vanessa. One Point France Go Lesson. こんにちは。こちらのコーナーを担当しております。アンサンブル講師の美和です。本日も会話やレッスンで使える短く簡単で覚えやすいフランス語の一言や表現をご紹介します。今回は知っておくと会話の流れをスムーズにできるとっても便利な一言です。相手が話しているときについ好奇心から割り込んでしまい、しばらく経った後で相手にで、何かおっしゃっていましたよね？何の話をされていましたっけ？と尋ねることよくありますよね。会話におけるあるあるなシチュエーションだと言えます。何かおっしゃっていましたよね？フランス語ではどう言うでしょうか？実は、vous disiez？ vous disiez？ と言います。disiez？の不定形は dire ですが、この時制は何ですか？そうですね。半過去、l'imparfait です。vous の活用語尾は e, u, z と書いて ie と発音するので、しっかり覚えておきましょう。vous disiez？ あなた言ってましたよね？という意味で、疑問文ですので、文末のイントネーションをしっかり上げて、vous disiez？ と発音しましょう。これで相手に話の続きを促すことができるので、とっても便利ですね。さあ、相手が親しい間柄で、主語に tu、君を使う場合はどう言うでしょうか？そうですね。tu disais？tu disais？ となります。では最後におさらいです。相手の話を遮ってしまった後、話が脱線した後、何かおっしゃっていましたよね？と続きを促す時の一言は、主語が vous の時、vous disiez？ 主語が tu の時は、tu disais？ と言います。半過去の活用の復習にもなりますので、ぜひ覚えて会話で使ってくださいね。いかがでしたか？今回のように日常的によく使えるフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブル・アン・フランセのホームページから、無料メールレッスン、にご登録くださいね。それでは、アビアントー。最新アンサンブル情報。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセの最新情報をお届けします。本日は6月7日の21時より開催されたバネッサ先生の担当による会話強化グループレッスンの様子をお伝えいたします。アンサンブルのグループレッスンは、Zoom というグループ会話に特化したソフトを使って、最大6名の生徒様が無料で参加できる特別講座です。
そしてこの会話強化グループレッスンでは、ネイティブ講師が司会進行を担当し、フランスの時事問題をテーマにフランス語でディスカッションを行います。生徒様はテーマについての知識を得ることに加えて、何より自分の考えをフランス語で人前で表現するトレーニングを行うことができるため、参加者の皆様には大変ご好評いただいております。さて、6月7日に開かれた会話強化グループレッスンでは、目下フランスで議論を呼んでいる大学の改革案、入学者選抜をテーマに活発な意見交換が行われました。まずバネッサ先生と一緒にフランスの大学に入学するための条件を踏まえた後、現状の制度が引き起こしている大学の問題、複数の大学が取った不公平な苦肉の解決策、その結果マクロン政権が打ち出した入学者選抜という改革案に話が及びました。バネッサ先生はその都度、日本ではどうか、あなたはどう思うかという質問を一人一人に行うので、参加者全員が発言できる良い環境の中、ゆっくりかつスムーズに展開されました。参加者の中には最初緊張していた方もいらっしゃいましたが、バネッサ先生が大丈夫、心配ないですよと笑顔で励ましてくれていました。必要な場合にはゆっくり何度でも質問を繰り返してくださるので、徐々に生徒様の緊張がほぐれて和やかな雰囲気に。決して優しいテーマとは言えなかったものの、笑顔の絶えない楽しい会話レッスンとなったようです。アンサンブルのグループレッスン、生徒様であればどなたでも無料でご参加いただけます。マンツーマンレッスンとはまた違った緊張感を味わうことができますので、まだ参加したことがないという方はぜひ一度受講されてみてはいかがでしょうか。参加方法はグループレッスン開催の告知メールなどに記載されておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そして、この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回6月29日の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。